Bonjour, c'est Alexandre de la ferme Découverte Millisphère. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est le fourmilion. Donc le fourmilion, c'est un insecte qui ressemble au stade adulte à une petite libellule, mais avec un vol moins fluide. Donc pour retrouver cet insecte, d'abord il faut observer ses entonnoirs que nous allons pouvoir observer ici. Donc ces entonnoirs, en fin de compte, c'est un refuge, un pour s'abriter, mais aussi pour attraper leur proie. Donc ces larves passent environ 2 ans dans la terre, et pour se nourrir, ils ont développé une technique, c'est de créer un petit cône, comme vous pouvez voir ici par exemple, et ça va leur permettre d'attraper des petits insectes comme des fourmis. Donc pourquoi fourmilion? Parce que dans fourmilion, on entend fourmi qui est un insecte, et c'est leur proie, on va dire, favori. Donc, et lion, parce que il est carnivore. Et dès que cet insecte arrive en stade adulte, il consomme plutôt du pollen et dure que quelques semaines, car en été arrive la saison de la reproduction et les femelles vont aller pondre des œufs à même le sol. Alors c'est plutôt un sol sablonneux. Voilà, il faut que la terre soit meuble. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.